tous les collecteurs des taxes et les pêcheurs s'approchaient de lui pour l'entendre. Les pharisiens et les scribes maugréaient. Il accueille des pêcheurs et il mange avec eux. Mais il leur dit cette parabole. Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui doit me revenir. » Le père partagea son bien entre eux. Peu de jours après, le plus jeune fils convertit en argent tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à manquer de tout. Il se mit au service d'un des citoyens de ce pays qu'il envoya dans ses champs pour y faire paître les cochons. Il aurait bien désiré se rassasier des caroubes que mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait. Rentré en lui-même, il se dit « Combien d'employés chez mon père ont du pain de reste, alors que moi, ici, je meurs de faim. Je vais partir, j'irai chez mon père et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. » Il partit pour rentrer chez son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses esclaves, « Apportez vite la plus belle robe et mettez-la lui. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Amenez le veau engraissé et abattez-le. Mangeons, faisons la fête. Car mon fils que voici était mort, et il a repris vie. Il était perdu et il a été retrouvé. » Et ils commencèrent à faire la fête. Or le fils aîné était au champ. Lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un des serviteurs pour lui demander ce qui se passait. Ce dernier lui dit, « Ton frère est de retour, et parce qu'il lui a été rendu en bonne santé, ton père a abattu le veau engraissé. » Mais il se mit en colère, il ne voulait pas entrer. Son père sortit le supplier. Alors il répondit à son père, « Il y a tant d'années que je travaille pour toi comme un esclave. Jamais je n'ai désobéi à tes commandements. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils que voici est arrivé, lui qui a dévoré ton bien avec des prostituées, pour lui tu as abattu le veau engraissé. » Le père lui dit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et se réjouir, car ton frère que voici était mort, et il a repris vie. Il était perdu. Et il a été retrouvé. » Cette parabole très, très connue donc, se trouve dans l'évangile de Luc. Et je crois qu'il n'est pas inutile de rappeler les premiers versets de ce chapitre 15 qui donnent les circonstances de cette parabole en nous disant que Jésus raconte cette parabole parce que les pharisiens et les scribes maugréaient en disant « Il accueille des pécheurs et il mange avec eux. » Donc c'est une parabole qui s'adresse aux religieux de son temps, qui trouvaient que Jésus était trop bienveillant avec les pécheurs. Laxiste. Alors, cette parabole donc met en jeu trois personnages, un père et ses deux fils, assez traditionnellement. Je vous propose que nous la relisions à travers le prisme de chacun des trois personnages, et commençons donc par le second fils, le fils cadet. Donc le héros, le personnage principal, je ne sais pas. Enfin, ce fils cadet, le plus connu en tout cas. Amusant parce que c'est une parabole qu'on appelle toujours de l'enfant prodigue. Oui. Moi, j'aime l'appeler la parabole du père prodigue. Ouais. Voilà. Je pense que le personnage principal, c'est le père. D'accord. Voilà. Alors, ouais. Mais je veux bien qu'on s'occupe du fils. Alors, allons-y. Commençons par le fils cadet. Alors. Ouais. Alors, évidemment, on lui donne tous les qualificatifs du sale gosse. Hein? Pour commencer, voilà. Tout à fait. Donc, c'est le petit dernier, il est exigeant, il est impératif. Donc, il y a un petit côté ado encore dans ce cadet-là, qui veut son bien, il veut se séparer de son père, il veut prendre sa part et il va s'en aller avec. Donc, voilà, il prend sa part. Et d'ailleurs, le père
laisse faire. Exactement, parce qu'il réclame sa part d'héritage, le père aurait dit, écoute, t'attendras ton tour, t'attendras le moment. Non, pas du tout. Alors, première caractéristique, première surprise, le père ne proteste pas et donc laisse le fils aller vers sa vie, vers sa liberté, vers première chose. Bon, ça continue, ça ne s'arrange pas, puisqu'il dilapide le bien en faisant... Avec des prostituées. Oui, vraiment, c'est le pire. Ah non, pas tout à fait, parce qu'il va se retrouver avec les cochons après, oui. Il va être tombé encore pire. Enfin, en tous les cas, de toute évidence, je veux dire, il fait la fête de façon grasse. Hein, c'est une mauvaise fête qu'il fait. Mmh. Et puis, il arrive ce qui arrive, c'est qu'il croque le bien du père, il se retrouve sans rien. Donc là, on se dit, cette fois-ci, tu veux dire, la morale va tomber, la morale de la fable va tomber. Et d'ailleurs, effectivement, il se retrouve à garder les cochons, c'est quand même l'abomination dans le monde juif. Hein, ça prouve qu'en plus, il est chez des étrangers. C'est des gens qui élèvent des cochons, puisqu'on ne mange pas de porc en Israël. Et non seulement ça, mais il en est au stade où il est prêt à manger avec les cochons. Il aurait préféré la nourriture des cochons. Oui, il l'a même pas. Il était prêt à manger avec les cochons et il l'a même pas. Donc le texte a un côté hyperbolique de la chute. La chute du fils est vraiment terrible. Hein, il voudrait bien manger des cochonneries et même ça, il ne l'a pas. Et donc, en effet, il rentre en lui-même. Alors, c'est un beau moment, hein, et alors que le texte est magnifiquement écrit, quand même. Hein, il y a une précision d'écriture formidable. Donc, il rentre en lui-même. Et du coup, il y a le moment où il réfléchit. Il se dit, bon, tant qu'à faire, il vaudrait mieux que je sois serviteur chez mon père, parce qu'au moins, les serviteurs ont du pain. Et puis, il prépare son discours. Hein, voilà ce que je dirais. Alors, il prépare son discours, donc il rentre chez son père la queue entre les jambes en disant, voilà, en acceptant d'être que serviteur, et maintenant, on va changer et on arrive sur le personnage du père. Alors, ce qui est étonnant, c'est que le père ne semble avoir fait qu'une seule chose depuis que nous l'avions quitté, il attend. Il attend le retour du fils. Et il ne l'attend pas, alors c'est ça qui est absolument extraordinaire, c'est qu'il ne l'attend pas pour lui dire, je te l'avais bien dit. Comment s'attendrait à une réaction naturelle. Naturelle, enfin, on imagine que beaucoup de pères feraient ça, mais je veux dire, il va, d'ailleurs, très souvent, on voit le père qui va vers le fils. Il va au-devant, hein, il l'a guetté, c'est Seran, le père, hein, il a guetté le fils, il attendait son retour, il guettait, enfin, c'est une image absolument magnifique de cette paternité si maternelle, hein, de ce père qui va vers le fils, et de sorte que, effectivement, l'Évangile nous montre le fils en train de réciter sa petite leçon de repentir, dont le père se moque absolument. Il fait comme s'il n'avait pas entendu. C'est très singulier. Oui, il l'interrompt même. Enfin, il l'interrompt. Le père, ça n'a pas d'importance. La seule chose qui compte pour le père, c'est que le fils est là. Ce fils qu'il avait cru perdu, est retrouvé et il est là. Et alors, de nouveau, le texte prend une extraordinaire ampleur, puisque, je veux dire, on rameute toute la maison, toute la maisonnée, pour le combler de tous les biens. Je veux dire, il est accueilli, on le met en situation princière, hein, avec la robe, la tunique, les sandales, la bague. Enfin, c'est le cachet, c'est le cas d'échec. Oui, c'est ça, il est restitué dans ses droits pleignés de fils. Et donc le père. Alors qu'il n'a plus rien, puisqu'il avait déjà eu son héritage. Il avait tout eu, et le père lui rend absolument tout. Il le réinstitue dans la position du fils, devant les serviteurs, devant tout le monde, et la fête bat son plein dans la maison. Et en plus, faisons la fête, dit-il. Faisons la fête. Alors, voilà. C'est pas tout à fait la même fête que celle qu'il faisait. Non, pas la même, absolument. Ouais. Donc. Bon, et puis donc. Ils font la fête sans même attendre l'aîné, oui, qui était au champ. Tout à fait. Et puis l'aîné, il arrive. Qui travaille, lui. Il faut imaginer, il a transpiré tout le jour. Et alors qu'il s'approche de la maison du père, il entend, le texte est écrit d'une façon magnifique, hein, il entend le bruit de la danse et de la fête, et il interroge. Alors là, il y a dans le texte un jeu admirable sur la façon dont le fils aîné interroge. Le serviteur dit « ton frère »,
Hein, et quand le frère aîné va interroger le père, qui va venir... Non, et c'est le père qui va au-devant de nouveau, lui, même que le père. De nouveau, voilà. Le père va venir. De même qu'il était allé au-devant du cadet, il va au-devant de l'aîné, pour essayer, lui aussi, une parole pour lui. Voilà, pour essayer de le réconcilier, déjà. Et là, c'est très astucieux, parce que le texte, si on regarde, il dit... l'un dit « ton fils » et le père dit « ton frère ». Hein, et donc la puissance du père pour refaire sa famille, restaurer non seulement le fils qui était parti dans sa plénitude de fils, mais pour en fait remettre l'autre dans la fraternité aussi. C'est un père formidable. C'est vraiment une image de paternité formidable. On ne nous dit pas hein, si c'est... Et le texte se termine un peu sur trois petits points en français. Oui, il n'y a pas de chute. Il n'y a pas de chute. On ne sait pas comment l'aîné a répondu. Pourquoi ? C'est à nous de l'écrire ? C'est à nous de l'écrire. Moi, j'aime bien ça. Oui, hein, tout à fait. Il n'y a pas de chute parce que voilà, c'est à nous de poursuivre l'histoire. Voilà. Alors maintenant, quand on en vient, alors on l'a bien entendu relu, effectivement, bon, ce texte tout à fait magnifique. Et... qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui ? Enfin, quelle est l'actualité ou le message qu'on pourrait entendre ? Alors, on est vraiment devant les textes de la prodigalité. Ouais. On est dans les textes de la surabondance. Ouais. Ce qui me frappe, c'est que le père, pour avoir donné la moitié de ses biens à son fils, n'en est pas moins riche. Ouais. Il y a quelque chose... D'abord, le père est inépuisable. Inépuisable en amour, le bien du père... Le père est si bon... que son bien est inépuisable et que en fait il prospère, le bien du père prospère quoi qu'on fasse et même si même si le fils en a gaspillé honteusement une partie, ce bien là ne diminue pas. C'est pour ça que vous parliez du père prodigue, la prodigalité du père. Hein, le père, c'est la surabondance est du côté du père. Enfin, moi c'est le Dieu auquel je crois. Je veux dire, le Dieu auquel je crois est ce Dieu de la surabondance, de la prodigalité. C'est ce Dieu qui ne sait pas compter. C'est ce Dieu qui n'est pas comptable. Ouais. Et c'est moi, je suis... Pour les cadets, pour les aînés. Pour les cadets, pour les aînés. Voilà, il y a une espèce d'emballement du bien. Cette parabole, pour moi, est la parabole de l'emballement du bien. Ouais.